Un des plus grands projets de sculpture à l'heure actuelle, c'est un projet de Denis Nona pour le parvis du musée des Confluences à Lyon. C'est un projet qui est en cours d'élaboration, qui représente une masse très importante, une sculpture de 8 mètres de long sur 6 mètres de haut, pesant plus de 4 tonnes, et qui représente une chasse traditionnelle au dugong, au lamantin, chasse traditionnelle que l'on retrouve dans les communautés des Croix de Torrès. On y retrouve le pêcheur sur sa barque, on y retrouve les constellations qui aident les insulaires à naviguer à travers les eaux tumultueuses du détroit. Et cette œuvre très importante devra permettre aux visiteurs de pouvoir circuler, de pouvoir bouger en dessous, marcher en dessous, et représente l'un des plus grands projets à l'heure actuelle de sculpture monumentale hors d'Australie.